festival de Cyrille sur Meurthe. Il y a à peu près 80 personnes de présents là. Il y a 7 foyers différents accueillis par le foyer rural de Thierville sur Meurthe. Hier matin, 6 membres en fait ont travaillé à installer les tables de ping-pong, les tables pour la restauration. On organise tout ce qui est repas, tout ce qui est café, accueil, apéritif, pour justement pour nos joueurs, les joueurs de tous les foyers qui sont venus pour cette journée. La four depuis une vingtaine d'années maintenant. C'est un rassemblement des foyers ruraux au niveau du tennis de table. Donc le foyer rural essaie de chaque année d'y participer parce que c'est déjà très convivial et on rencontre pas mal de joueurs, surtout en loisirs, ce qui est intéressant pour nous. Cette année, il y a à peu près 80 participants. Ça fait pratiquement une trentaine de matchs sur la journée pour chaque joueur. C'est des jeunes joueurs qui vont de 7 ans à des plus anciens qui vont jusqu'à 70 ans, quelquefois. Mais ça reste très convivial. De connaître énormément de gens, de voir que dans les autres foyers ruraux, il y a aussi des bénévoles qui sont tout comme nous aussi actifs. Ça apporte énormément tout ce qui est communication, tout ce qui est social, socialement parlant. Ça permet de découvrir plein de gens et c'est vraiment génial. Cet événement m'apporte beaucoup de choses. C'est déjà le rassemblement en lui-même. On retrouve des gens qu'on a déjà vus plusieurs années de suite, qu'on ne retrouve pas toujours en ligue. L'ambiance est géniale, personne ne se prend la tête. C'est vraiment un plaisir de venir jouer sur une journée comme celle-là, parce que ça reste vraiment que du loisir.